Salut, c'est Bibi sur Uncharted The Lost Legacy. On dirait Voici les deux emplacements des habitations. collectibles du chapitre 7, Et en alors? sachant qu'il y a 16 trésors, 3 conversations, un seul crochetage et, d'après le menu principal, quand on fait sélection du chapitre, normalement dans le chapitre 7, il y a 6 photos. Sauf que dans les faits, j'en ai trouvé 7 spots de photos, donc bah voilà, je vous mets les 7 quand même. Je ne sais pas laquelle ne compte pas, mais bon, comme ça, vous aurez tout. Bon visionnage, ciao! Jamais cru découvrir un lieu plus spectaculaire qu'Alibido. D'un côté, c'est dommage qu'elle soit cachée aux yeux du monde. Maintenant, c'est pourquoi. C'est de plus en plus spectaculaire. Et juste pour être sûr qu'on vient pour, voici le seigneur Shiba. Et Nandi. Et j'imagine que là, c'est Ganesh, du moins, avant qu'il ait sa tête d'éléphant. Possible. Ça pourrait aussi être Kartikeya, le fils aîné de Shiva. C'est le dieu intermédiaire. Bon sang! Ils ont explosé l'entrée! Sûrement l'explosion qu'on a entendue. Sûrement une autre entrée. Ils ont encore coincé. La ville est grande, ils veulent avoir un autre moyen de passer. C'est quoi cet endroit? Un bain? Ou un puits? Peut-être les deux. La tête, on est dans une sorte de chemin. Hé, hey, regarde là, la reine et ses servantes. C'était peut-être des bains royaux. Des statues de femmes pour changer. Les femmes jouaient un rôle important dans la société Oysala. Surtout les reines. Ça m'étonne. Ça alors, c'est quoi cet endroit? C'est quoi? Un ancien manuel. C'est un sitar? Un vina. C'est l'ancêtre très lointain du sitar. Il donnait peut-être des représentations ici. Magnifique. Toute cette splendeur cachée aux yeux du monde. Mais comment on fait pour passer? Mais ça a l'air profond. Merci d'être passé devant. Y'a pas de quoi. Hé, hey, tu vas bien? Désolée. Thank you.
cet endroit? Une salle de trône? Une cachette pour une magnifique défense incrustée de joyaux? Espérons. Des marches qui montent. Faut qu'on trouve un autre chemin. Merde, je viens de percuter un truc. Crois savoir ce que c'est. Par ici, Nadine. Ça marche. C'est peut-être parce que cette statue est énorme, mais je viens juste de remarquer que Shiva a un cobra royal en guise de collier. C'est Vasuki, un roi des Nagas. Juste devant. Voilà. Le truc, elle porte. C'est un prix. Ça a l'air de marcher. Ouais. Maintenant, occupons-nous des deux autres. T'avais raison. Évidemment. À propos de quoi? Ce que t'as dit à propos de cet endroit avec les statues et les haches. Tout vient toujours par trois. Les trois pointes d'un trident, la lumière se divise en trois rayons, et le troisième œil de Shiva. T'as entendu parler du troisième œil de Shiva? Ouais. Voici le septième spot de photo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce guide vous a été utile et à vous abonner pour suivre mes prochains guides. Je vous souhaite un bon jeu et amusez-vous bien. Ciao. Voilà, tu fais une incroyable statue. Viens par ici, ce truc est lourd. Sandek. Sandek.